Après les hauts bassins, les cascades et le sud-ouest, Eddy Kombo-Higo est dans la boucle du Mouhoun pour vendre son offre politique au Burkinabé. Ici, à Nouna, chef-lieu de la province de la Kossi, les populations ont répondu à l'appel avec, dans les mains, un chapelet de doléances à lui soumettre. Parmi les priorités, l'épineuse question des conflits inter-ethniques et la stigmatisation des communautés. Sous le délit de faciès et de la lutte contre le terrorisme, cette communauté subit des brimades, des disparitions, des assassinats, et cela dans le silence le plus assourdissant des autorités du moment. Cette communauté n'aspire qu'à vivre dans la République. Elle n'aspire qu'à vivre dans la République. Et puis, il y a aussi la question des infrastructures routières. La province de la Kossi est l'une des plus enclavées du pays. Sur 10 communes, 6 se trouvent coupées de la commune de Nouna. Il s'agit de Barani, Dokui, Kombori et Sonon, et même de Doumbala. En plus d'être inaccessibles, les centres de santé sont insuffisants et mal équipés. Sur les questions des routes, le candidat du CDP et sa délégation en ont fait l'expérience pour avoir parcouru le trajet Bobo-Dioulasso-Solenzo dans les Banwa, où ils ont tenu un meeting un peu plus tôt dans la matinée de ce lundi 9 novembre avant de regagner Nouna. C'est en homme averti que Eddy Kombo-Higo prend ses engagements. Une des régions qui a été délaissée, c'était la vôtre. Nous avons fait des kilomètres de routes non bitumées. Nous savons qu'ici, vous l'avez si bien dit, il n'y a pas de route. Je prends l'engagement ce soir que si le CDP revient au pouvoir, la zone sera désenclavée. Le boulot sera La région de la boucle du Mouhoun, considérée comme le grenier du pays, a été trop longtemps délaissée, regrette celui qui convoite le fauteuil présidentiel. Alors, lorsque Simon Compaoré, un cassis du parti au pouvoir, dit qu'il n'a pas de problème dans une langue étrangère, Eddy Kombo-Higo apporte la réplique. Simon Compaoré vient de dire que Kuna Matata. Kuna Matata, qui veut dire qu'il n'y a pas de problème. Je voudrais lui répondre ce soir que Kuna Shida, qui veut dire qu'il y a un problème. Il y a un vrai problème, c'est bien eux qui gouvernent ce pays-là. Ils n'ont qu'à descendre. Au-delà du désenclavement de la région, le candidat de l'ancien parti majoritaire promet aux populations de la Kossi et des Banwa la mécanisation de l'agriculture. Pour ce faire, il s'engage à construire une unité de montage de tracteurs dans la région.